Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Alors, comment vous expliquer? Je sais, c'est pas la même intro que d'habitude. Bon, c'est pas grave, je vais essayer de changer ça en fait. J'essaie de trouver des petits trucs pour mettre en valeur une dynamique dans la vidéo. Non, je vais essayer de trouver une intro qui va être propre à mon image, une dynamique et puis un peu blagueur. Donc bon, bref. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve. Alors, pour un DIY, donc ça veut dire do it yourself, donc faites-le vous-même. Et ça, je vous laisserai trouver quelle est la marque du skinny que je vais avoir tout à l'heure. Je vais donc faire un tuto comment déchirer, en gros, vous savez, faire l'effet destroy sur les skinny pour que vous sachiez le faire après. Comme ça vous serez tranquille. Alors moi j'ai trouvé ça grâce à Yanis Ménard, je crois qu'il s'appelle comme ça. Donc c'est un youtubeur qui est connu dans le même domaine que moi à peu près. Donc voilà, donc merci à lui. Je préfère le dire que je me suis j'ai repris un peu son truc. Parce que pas le DIY hein, mais son effet destroy. J'ai regardé sa vidéo et ça m'a tout de suite plu. En plus il l'a super bien fait le truc, c'est ça. Et donc je vais faire pareil. Donc voilà, je préfère dire au moins que j'ai fait pareil que Yanis Ménard, le citer, plutôt que après il y a des gens qui... Ah mais tu fais... Oh, please, calmos. Donc après je vous montrerai aussi ma petite veste que j'ai commandée chez la boutique officielle. Et je vous ferai gagner bien évidemment les 5% de réduction là dessus Donc à tout de suite. Alors, pour faire votre DIY, donc faites-le vous-même avec un skinny, donc faire des déchirures, il faudra une craie, donc une craie ou un crayon qu'on puisse voir ici. Par exemple, moi je vais faire un trou ici. Alors attention à bien faire ceci pour voir justement, pour pas que vous soyez embêté après au niveau de la coupure. Après, moi je vais m'en faire un, alors ici, attendez, hop, voilà. Ici et je vais m'en faire un ici, voilà. Donc après il faudra un ciseau bien évidemment, un couteau à dents et je vous dirai après par la suite. Alors voilà, donc là j'ai déjà fait une petite incision en fait pour permettre une facilité plutôt, on va dire, optimale pour la vidéo. Alors comme le dit Yanis, faire attention à bien suivre le trait en fait, donc le trait qu'on a fait avec la craie, après gratter comme ceci pour avoir un effet plus destroy. Ça c'est selon vos choix et tout, si vous voulez plus destroy que, enfin voilà, ça dépend de vous vraiment. Et après, quand vous avez pensé que c'est bon ici de ce côté-là, vous faites pareil avec les trous ici par ici. Donc voilà. A savoir que je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo de Yanis Ménard. Au niveau fringue, il est vraiment plus avancé au niveau que moi. Enfin, il a un style beaucoup plus basique, mais enfin, il a son propre style en fait, donc sa propre personnalité. Donc du coup, il pourra peut-être mieux s'expliquer que moi. Vous pouvez vous utiliser une pince à épiler en fait pour tirer les fils verticales pour donner voilà ce petit côté destroy et tout. Après c'est selon votre degré aussi de destroy pour le jean. Donc voilà, donc maintenant essayez et dites moi en commentaire quelle est la marque de ce jean, de ce skin. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Quoi, j'avais autre chose à dire? Ah ouais, il a pas tort. Mais tu parles à qui la réception du jour? Tu parles à qui la Clemento? Il y a personne. Non en fait, j'avais oublié. J'ai la veste à vous présenter. À tout de suite. Voilà les gars. Donc là aujourd'hui, après le skinny, on se retrouve avec la veste militaire dont je vous avais parlé, que j'avais cherché comme celle de Justin. Voilà. 1035 €. Comment vous dire que j'ai un petit peu mal au cul d'avance. Donc j'ai préféré prendre une basique à 20 € en plus, donc nickel. Et puis de toute façon il ne fallait pas plus quoi. Enfin, si je voulais une veste militaire depuis longtemps et là c'était l'occasion jamais, il m'avait encore plus donné envie. Donc voilà. En plus j'ai déjà une tenue en tête.
Donc voilà. Donc la boutique officielle, donc forcément je vais vous donner, vous faire gagner les 5% de réduction grâce aux commentaires que vous mettrez. Celui qui a le plus beau commentaire et constructif et qui pourra me donner des conseils, voire des avis positifs ou négatifs, c'est pas grave tant que c'est une bonne critique bien construite, il n'y a pas de problème, je donnerai le bout de réduction à cette personne là. Donc préparez-vous au clavier. Donc on va aller. C'est incroyable ça. Alors voilà, attendez. What? Cadeau remise, ils m'en ont foutu deux. Bon, c'est pas grave, je crois gagner un comme ça aussi. Donc voilà, les 5%. Vous êtes témoins. Hop, alors la veste, elle se présente comme ça. Donc c'est une Goff de Nîmes déjà. 20€, elle était en réduction. J'ai payé les frais de peur, Mondial Relais. Comment vous dire que c'est de la merde? Bon, ça va. Ils sont une journée en retard, mais c'est vrai qu'au niveau de l'actualisation, de leur suivi de commande, c'est pas terrible. Donc voilà, Goff de Nîmes, moi je la trouve super belle. Pour 20€, franchement, elle est belle quand même. C'est du classique. Voilà. Donc on se retrouve pour les tenues tout de suite. Alors voilà, première tenue, les gars. Avec les Rush Run Print Grise. Le skinny dont vous devez trouver le nom. Le t-shirt de SoFashionShop.com, donc qui est le t-shirt Charisma, avec la petite veste Goff de Nîmes. Alors, juste un conseil, prenez pas votre taille habituelle, prenez une taille plus au-dessus. Parce que là, je sens déjà que je peux pas trop tirer les bras, c'est déjà pas ma taille, alors que je prends ma taille habituelle normalement. Donc voilà. Vous pouvez voir derrière, sur le côté. J'espère que vous voyez bien tout. Et sur le côté encore une autre fois. Hop, voilà. On va passer à la deuxième tenue, les gars. J'espère que celle-là a envoyé du jour. Normalement, oui. Parce que c'est celle que j'ai repris de Justin quand il a fait son show chez Jimmy. Sur la chaîne américaine. Ouais. Le mec s'appelle Jimmy, je crois. Mais je sais plus trop c'est quoi son nom de famille. Enfin, bref, voilà. Donc, à tout de suite. Et voilà, les gars. Ça y est, la dernière tenue, celle que j'ai reprise de Justin. Alors, les Rush Run une nouvelle fois avec Jean, Skinny, Six June, des bardeurs Six June en dessous pour la coupe et la veste Goff de Nîmes. Donc ça va très bien ensemble. Ce qui est bête, c'est qu'elle n'est pas encore assez longue parce que celle de Justin arrive vraiment à la hauteur de du débardeur. Ce qui fait juste on voit juste ça en fait au niveau du débardeur et ça donne super bien. Enfin, bon, je crois que ça donne aussi bien que ça. Avec, il avait aussi un skinny déchiré et tout, mais bon, moi j'en ai pas d'éclair vraiment déchiré, donc voilà, on verra ça pour une prochaine fois. Avec petite snapback et tout, au calme, enfin ça c'est vraiment si vous voulez ou quoi. Donc voilà, hop. Donc écoutez les gars, je vais pas vous mentir, c'était un vrai plaisir de faire cette vidéo là pour vous, et j'espère que cette. Les toutes petites nouveautés que je mets en place à chaque fois, à chaque vidéo, ça vous fera plaisir et j'espère que vous en prendrez compte pour les avis, pour les likes ou même les partages. J'essaye de me donner vraiment beaucoup de mal pour vous, de faire du mieux que je peux pour vous satisfaire. Il faut se satisfaire du nécessaire. Je vais arrêter parce que sinon je vais me taper un copyright. Copyright sur le livre de la jungle. Putain, ça serait trop swag quoi. Donc voilà, donc le code. Promo 5% à gagner, bon c'est toujours ça de prix hein. Si sur une grosse commande ça peut faire une petite différence quand même, avec bon les chèques cadeaux, je pourrais vous donner les codes sur des pages qui pourraient vous intéresser, il n'y a pas de problème sur ça, j'en ai deux, alors bon voilà. Donc c'est vraiment un plaisir de faire cette vidéo là pour vous. On est plus de 700 abonnés maintenant, on commence à grandir vraiment, je suis très très heureux que vous soyez autant à me suivre. Donc voilà, commentez, likez, partagez, surtout commentez, je veux vos avis moi les amis, donc voilà, et bien écoutez, voilà, je suis très très heureux et je suis heureux de partager ça avec vous tous les jours, chaque jour. Je vous invite aussi à aller sur la page Facebook, hein, réception du jour, pour que vous puissiez mettre vos tenues différentes, je m'en fous de vos styles, vous pouvez être classique, même
Même si vous portez que du Nike, du Puma, du Adidas tous les jours, je m'en fous. Venez, venez partager votre style avec nous. On est une bonne communauté, tout le monde s'entend à peu près bien. Il n'y a pas de raison que tout tourne mal de toute façon. Donc chacun a son propre style. Et donc voilà, faites péter vos styles sur le groupe. Comme ça, on pourra tous partager ça ensemble. Et ceux qui sont sur Facebook, qui sont sur le groupe Facebook, sachent en avance ce que je vais sûrement proposer après. Donc voilà. Donc ça, c'était vraiment encore une vidéo assez spéciale parce que du coup, c'était pas prévu que je me rachète encore des fringues et voilà, c'est fait, ça y est. Et du coup, bah c'est super et voilà, vous me faites vraiment vivre un truc de fou, même si pour l'instant, je peux pas faire grand chose non plus à part acheter des fringues et vous les montrer. Et j'espère qu'un jour, bah ça pourrait être beaucoup plus grand et je pourrais avoir des projets, pourquoi pas avec les abonnés, j'espère en tout cas de tout cœur. Donc voilà, je suis vraiment très très heureux de vous avoir en tant qu'abonné. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, dans quelques semaines, vidéo sur FIFA 16. Moi j'ai déjà eu la petite démo là, donc j'ai pu tester, c'est hyper cool. Donc voilà, c'est juste pour vous dire au moins. Je me répète beaucoup, donc voilà. voilà. Non mais sérieusement, j'espère que voilà, les petites nouveautés comme ça vous a plu. Le DIY, le Sneaker Time. Là, on va dire que c'est un DIY, mais aussi outfit time. Donc voilà, c'est super. Merci encore à tous et puis je vous retrouve très bientôt. Peace les gens.